Hello, bonjour, je vais parler du prince William. On va parler d'une collaboration qu'il a faite avec des youtubeurs il y a quelques jours de cela. En tout cas, ça a été posté hier sur la chaîne Instagram du prince, hein, et c'était partout dans les journaux. Alors, ce qu'il a fait, il a collaboré avec des personnes qui possédaient des food trucks, c'est-à-dire des camions dans lesquels ils cuisinent. Et la cuisine qu'ils font, ce sont des burgers. Ils ont d'ailleurs leur propre chaîne YouTube. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu faire des blagues à un public qui ne savait rien, qui passait, les clients de ce food truck. Et la blague étant que le prince William leur servirait des burgers, ils seraient étonnés de le voir. Et le prince William en aurait profité pour leur parler de son action avec Earthshot, leur expliquer la nécessité de ne plus utiliser les sacs plastiques, de recycler leurs déchets et de leur montrer l'action qu'a tout ça sur l'environnement, le réchauffement climatique et pourquoi Earthshot en fait. Hein. Alors on nous a présenté ça comme quelque chose de tout à fait naturel, tout à fait organique. Ce sont des gens qui passaient dans la rue, qui sont arrêtés pour acheter des burgers. Or, il y a des malins qui sont allés sur Twitter pour montrer que ce n'était pas totalement vrai. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont découpé la vidéo, ils se sont rendus compte que sur le food truck, hein, c'est-à-dire sur le camion, il y avait un écriteau qui disait « Attention, tournage fermé ». N'est-ce pas? Place de tournage fermée. Ça veut dire que ils n'avaient pas le droit de passer devant, ils n'avaient pas le droit de passer à côté. Alors, si les personnes du public n'avaient pas le droit de passer à côté ou de passer devant, comment se fait-il alors qu'il y ait eu des personnes, des passants, des personnes qui soient venues acheter des burgers? Ça, c'est la question qu'on se pose. Or, ce que ces personnes nous disent, ces personnes qui ont fouillé, nous disent en fait que ce sont des acteurs qui ont été embauchés et qui ont été dirigés et on leur a montré où aller. Ce sont des personnes qui ont été sélectionnées pour venir acheter des burgers. Ces personnes ne s'attendaient bien sûr pas à ce que le prince William soit là pour que l'effet soit plus naturel. Mais ce ne sont pas des gens qui passaient comme ça et qui voulaient acheter des burgers. Non, ce sont des gens à qui on a offert des burgers ou à qui on a embauché pour jouer des clients. Donc ce n'est pas naturel, tout est organisé, tout est monté. J'avais déjà dit ça d'ailleurs dans une de mes vidéos hein, auparavant, que ce n'était pas au hasard, que tout était planifié, que tout était calculé, parce que les gens, le public ne peut pas s'approcher comme ça du futur roi. Il y a toujours un degré de sécurité qui est organisé. Voilà, c'est ce que je voulais dire ici. Bon, l'action est bonne, hein, parler de l'environnement, éduquer les gens sur l'environnement, même si ça ne nous empêche pas de prendre des hélicoptères pour aller à différents événements. Vous voyez l'hypocrisie, mais c'est une bonne action, on va dire. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.